pas un hunter, s'il vous plaît. N'importe quoi, mais pas un hunter. Enfin, un truc. C'est mort pour 4, quoi. Dommage. Commune astrale. Non, non, rien de tout ça, merci. Ah, 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 oh là! En deux essais, quoi. C'est pas dégueu. Ouais, on lui roule dessus, là. On lui roule dessus. Allez, pas de tour, hein, bonjour. Alors, comment on fait ça? 2 4 Bonjour. Le mec est rang 6, tu sais, on est à la fin du mois, on est le 28, il est en train de tryhard comme un gros cochon pour aller à 5. Il tombe sur un druide comme une noix astrale. Est-ce qu'on fait le gros sale et on lui met 10-10? Oh, allez, oui, hein. Pas de raison d'être propre quand on fait ce genre de choses. Oh. Ah ben je veux bien, alors on dit Trump, c'est chaud. Alors, 1, 2. Bah arrête de tout de moi, tu joues pas Ice Block, tu joues pas Vaporize. Tu vas faire quoi? Il joue Ice Block? Oh. Donc c'est un freeze. Très bien. Bon, on va piocher. Oh, bien. Ouais, c'est vrai. Ah, où est-ce qu'il nous va? C'est le méchant homme. Je sais pas si je pourrais poser éventuellement boom, me dire que les deux booms vont faire bon, des dégâts et nous rapprocher du létal, mais en soi, est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Torisan, Torisan, pourquoi tu dis juste pareil? Est-ce qu'on met à Viana ou pas? On peut y aller. Bon, de toute façon, il va bien la gérer, hein. Pas un wallet druide, hein. Je l'ai eu dans un pack. Ah, c'est pas un. Ah, c'est pas un freeze. C'est un magico. Intéressant ça. Il est peut-être pas en train d'être tryhard. Ah, désolé. Et la concession. GG! Passer à voir le prince voleur Rafam 7-16 pour 4, c'est rigolo. Je l'ai dit, on a eu la combo au bout de 2 essais quand même. Hein. C'est pas dit qu'on l'ait une troisième fois, c'est qu'on est contre Booba et de l'eau.
on garde Parafam évidemment, est-ce qu'on garde la croissance sauvage ou pas? Je sais pas. Pas forcément. Après c'est vrai que c'est fort comme carte. Ça peut m'accélérer si j'ai pas la combo. Ouais, on va la garder. Allez, là, on pioche un truc de fou. On pioche Ragnaros, on pioche Rafam, pourquoi pas. Histoire de faire la blague deux fois. Attention. Booba est en stress. Alors Booba est pas en stress du tout. Très bien. Il était presque en stress, il était pas loin d'être en stress. Ça passe par le courant des hasards, mais je sais pas, ça passera pas, mais avec Alex on est à 5 PV. Bon, il peut avoir un crash base, il peut avoir n'importe quel sort que je gérer. Deuxième ex même. Oh, il a pas. Oh. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, comment tu fais pour 6 pour gérer ça? Vas-y, apprends-moi le jeu, là. Montre-moi un truc que j'ai jamais vu. Bien joué. Ça sentirait pas le... la concession? Peut-être que je me trompe pas. Une tempête de pirates. Ah oui, d'accord. Ah oui. Pas là pour rigoler quoi. On va piocher hein. C'est vrai que j'ai pas de dégâts directs dans ce deck. C'est un peu problème. Oh, des dégâts directs. On va jouer l'aspirante. Les deux os. Alors ça se trouve c'est un chaman Reno. Là je vais pleurer. D'accord. Bien joué, ça. Et une deuxième victoire en Aviana. Bon bah voilà, c'était rigolo, c'était Aviana.